Service latéral coupé rapide, toujours la même présentation. Donc je descends bien sur les jambes, j'ai fléchi la pointe de pied, le genou est fléchi aussi. Présentation, je répète, on ne casse pas le poignet pour que la balle soit bien à la verticale, on n'utilise que l'avant-bras et on bloque au niveau de l'épaule. D'accord ? Donc ça donne ça, j'ai bloqué mon épaule. Là, le plus important, c'est le départ de raquette. Donc pensez à bien casser votre poignet, d'accord ? Pour avoir le maximum d'amplitude et le maximum de relâchement au niveau du poignet pour mettre de l'effet. Là, ça va être important. Je tiens ma raquette, pouce, index et je récupère ensuite. Voilà, donc simplement mettre de la force sur le pouce et l'index et récupérer sur le coin de la main. La présentation, donc j'ai bien cassé mon poignet, d'accord ? Mon avant-bras descend, ok. Au moment de l'impact, je vais la toucher ici, devant et un peu en dessous, donc avec une inclinaison comme ça, d'accord ? Et toujours pareil, je vais serrer ma main, et arrêter le plus tôt possible. Donc je répète, c'est la vitesse d'exécution. Donc je vais aller vite, contrairement au service court rapide. Avec mon avant-bras, avec mon poignet, je vais tout stopper d'un coup. Je vais stopper au niveau de la cuisse, au niveau de l'épaule et au niveau de mon poignet. Là, très important, pour mettre de l'effet, au niveau de quand vous allez toucher la balle, ce qu'il faut, c'est bien serrer, la main. Donc vraiment, passez en dessous, allez vite et serrez vite votre main, d'accord ? Et vous vous arrêtez. Là, c'est vraiment important. Je serre ma main, je m'arrête pour l'accompagner.